le futur. Grâce à notre dernière console génération, vous allez adorer la technologie SSD qui vient de sortir. Non, elle n'est pas sortie il y a 5 ans, 10 ans. Non, c'est pas vrai. On a choisi de faire un sandwich qui ressemble plus à un aspirateur Dyson qu'une console. Mais de toute façon, vous en avez rien à foutre parce que vous le cachez dans le meuble télé. D'accord ? Parlons peu, parlons bien. Eh les gars, on peut avoir un vote dans le chat, vous la trouvez comment la nouvelle PlayStation ? Sur 10, vous lui mettez combien ? En termes de look. Moi honnêtement, je lui mets un 5-6. En fait, j'aime pas les trucs qui sont pas carrés, tu peux pas empiler de trucs dessus, tu peux rien faire en fait. Là, vous lui donnez tous 7-8. Et honnêtement, je vous trouve très clément. Je vous trouve très clément les gars. Parce que mec, pour moi, les surfaces rondes et tout, la tenir toute droite comme ça, tu peux pas empiler de trucs dessus, je sais pas mec. Je suis désolé les gars, je peux pas. J'essaye d'être objectif, hein, mais je peux pas. Moi, pour moi, genre un bon truc, les bons designers de ce genre de choses, c'est Google, tu vois. Genre, tu regardes ce que Google ils font pour les maisons connectées, c'est très propre. Dans les trucs assez soft. Genre là, on dirait vraiment genre une box. On dirait vraiment une box, mec. On dirait, tu sais, genre quand tu vas chez Free, et bah on te file une box, quoi. Prends ta Free Box et dégage, tu vois. Mais le design éclaté de la Xbox, tu vois, je trouve. Ça marche, tu vois. Ça marche, les gars. On voit qu'il n'y a pas de risque. Pris, on dirait ils ont la pris première zéro risque. Mais ça marche, mec. Qui se branle sur sa console, de toute façon, les gars? Alors, tu la mets à côté de ta télé. Là, c'est un cube. C'est soft, c'est clean, tu vois. Alors que ça, t'as ça à côté de ta télé, genre. Eh, hey, mec, t'as mis ton routeur Wi-Fi. T'as mis ta Freebox à côté de ta télé? Tu sais, genre, je suis plus un mec classique. C'est peut-être ça mon problème. C'est une question de goût, les gars. Les seules raisons pourquoi on achète des consoles aujourd'hui, c'est pas leur design. C'est clairement leur putain de manette, ok? Et les exclus de jeu. Je dirais 70% les exclus de jeu et 29% les manettes. Et 1% le design. Qui achète sa console parce que le design le fait kiffer, tu vois? Genre, mec. Ce qui est intriguant, par contre, c'est effectivement un comparatif comme ça. C'est très intriguant de voir que la manette de PS de PlayStation se rapproche de plus en plus de celle de la Xbox. Tiens. Peut-être que celle de la Xbox a toujours été mieux faite. Tiens. Peu importe, les deux manettes me vont. Quand je tiens les deux manettes, j'ai toujours l'impression d'être handicapé, les gars. Donc, bon, j'aime bien les deux manettes. Juste, il me faudrait genre, juste 15 ou 16 palettes en plus derrière. Parce que bon, j'aime bien mon clavier, mec. Tu sais, genre, moi, dans mon clavier, j'ai toutes ces touches de disponibles. Mais voilà. C'est là où il dévoile la console. Voici notre nouvel aspirateur Dyson. Grâce à lui, vous pourrez non seulement vous savonner les mains et vous essuyer les mains avec un seul et même outil. Regardez ces parfaites rondeurs sur les côtés. Vous pourrez délicatement poser vos mains dessus. Son ventilateur extrême va dégager l'eau en moins de 10 secondes de vos mains. Les rendront sèches en 5 secondes. Ouais, je sais pas les gars, je sais pas. Lecteur CD est très voyant. Très voyant, mec. Port USB UC, carte mémoire peut-être, j'en sais rien. La manette, elle est vraiment cool. Ça fait du bien de voir un peu de blanc, parce que toutes les consoles étaient noires à chaque fois. On se rapproche maintenant de Apple et la mode actuelle, la domotique, etc. Mais honnêtement, les gars, je peux pas cautionner ça, là. Tu prends une Freebox, mec, et tu la mets en sandwich, mec. Ça, c'est une box internet SFR, ok? Ok, donc là, tu vois, on a quasiment la même chose, là. On a quasiment la même chose. Il y en avait une qui était exactement pareille, mec, en blanc aussi. Neuf Télécom, mec, c'est ça! C'est celle-là, gros! C'est celle-là! C'est le mec qui a designé la box 9 Télécom, frérot! Ils ont embauché ce mec-là! Xbox, c'est un cendrier. Je préfère avoir un cendrier qu'une 9 box, frérot. Parce qu'au moins, le cendrier, il se verra pas, il se fondra dans le décor. Alors que ça, gros, c'est un arbre de Noël chez toi. Mais vu que t'as 12 ans et que c'est pas toi qui fais la déco chez toi et que t'habites chez ta daronne, bah, tu peux pas savoir. C'est ta daronne qui va te payer la PlayStation 5. C'est ta daronne qui va cacher la PlayStation 5 en dessous dans le meuble télé. Tu vois? Parce qu'elle va voir ce truc dégueulasse dans le salon, elle va faire, hé hey, gros, je veux bien que tu joues à des jeux, mais cache-moi ça là, cache-moi ça frérot. Oui, la PS5 a gagné avec les exclus, c'est sûr. Sauf si Microsoft arrive à me sponsoriser pour Halo 5, Halo Infinite, merci beaucoup Microsoft, on vous aime. Bisous partout. Waouh! C'est granulé! Le toucher est granulé! Le toucher. Oh! Attends, c'est l'autre version! Oui, c'est la version digitale avec le toucher granulé. Effectivement, je préfère mille fois la digitale. Donc quand t'as la fibre, en fait, tu prends la digitale. Quand t'achètes encore tes jeux, parce que t'es un être primitif, quand t'achètes encore tes jeux chez Micromania, tu prends celle-là, là. Mais ce qui est intéressant, les gars, ce qui m'intrigue très fortement, c'est que le jour où ils vont annoncer le prix, parce qu'apparemment, je sais pas, ils ont pas annoncé le prix. Là, il y a pas mal de gens qui disent 700€. Mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte qu'ils annoncent le prix. Parce que quand là, je vais vraiment pouvoir vous mettre, mais ça, je vais vous mettre un uppercut dans la gueule. Tous les pro consoles là. Quand je vais vous expliquer un truc, quand je te fais un PC à 700€ aux petits oignons, frérot,
mieux qu'une console, là tu pourras rien dire. Parce que pour le moment ça va, la console elle vaut 300 euros. Mais quand je vais, quand elle sera annoncée à 700 euros frérot, vous n'aurez plus d'arguments, mes chers consoleux, vous n'aurez plus d'arguments pour pas acheter un PC. À part vouloir jouer à vos exclus, et ça effectivement. Lecteur Blu-ray 4K, waouh, mec. Y a-t-il des boomers qui encore lisent des DVD Blu-ray? Mais il est affligé. J'ai acheté le dernier en vrai, Blu-ray. Tout le monde... Tu sais, c'est ta grand-mère qui vient t'offrir des Blu-ray en mode « Oh, regarde, c'est la technologie plus, ça m'a dit que c'était la crème de la crème à la Fnac. » Même sur YouTube, t'as la version 4K. Et regardez ma collection de Blu-ray, je suis un être primitif. Manette semi-transparente avec flèche du haut, flèche du bas, flèche de gauche, flèche de droite. Incroyable gameplay. On n'a plus que 4 boutons. Pardon, 8? Pardon, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A little later. 27, 28, 29, 30, 31. Ah ! Plus la souris, clic, clic, la molette. Et aujourd'hui, vous avez 2 boutons sur le côté. Cette manette n'a jamais évolué. Elles sont où les innovations là ? Tu n'es pas à jouer avec ton bras. Tu fais un sticker sur ton bras. Tu joues comme ça là. Tu sais, avec un pavé tactile, je sais pas. Mais ils sont où ? Elles sont où les innovations ? Donc ouais les gars. C'est comme ça qu'ils vont me aimbot sur Warzone, d'accord. Ou Fortnite, hein, pas mal. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? Ce qui serait intéressant, c'est de voir que la webcam qu'ils ont montré et le casque qu'ils ont montré est fourni avec. Et même le charging station. Je fantasme, probablement. Aftermarket, tu veux pas qu'ils te fournissent une chez... deuxième manette non D'autres. Plus ? Mec, il fut un temps où t'as acheté une console, t'avais 2 manettes dedans. PlayStation 1, PlayStation 2, je crois. Xbox 1 aussi. Il fut un temps, frérot. Donc le casque. Pas ouf. En tout cas, ce serait intéressant qu'il soit fourni dans la boîte. Là, ça c'est un casque à 10 balles, ça. Tu vois la gueule du casque, tu te fais bon bah. C'est pas le casque studio Apple qui va sortir là, qui sera à 300 balles, tu vois. Parce que là, j'ai acheté une PS4 là il y a pas longtemps. Regardez ce qu'il y avait dans la boîte, les gars. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Et on m'a donné un kit main libre, mec, de Nokia 3310. 450 euros. Et ça, c'est ce que j'ai, gros. Regardez. Ça, c'est l'objet qu'on m'a donné, ça, les gars. Ce truc. Le charging station, ce serait cool aussi, mais ça m'étonnerait. Ce serait du jamais vu. La webcam, ça m'étonnerait aussi. Et là, alors là, une télécommande, mec. Alors, la dernière télécommande que je me souviens, qui était vendue par... c'était la télécommande de la Xbox, mec. C'est une tentative, donc, tu vois, de faire, en fait... De ta console, une plateforme multimédia qui correspond à ta TV, tu vois. Alors ça, c'est... T'as celle du son, t'as celle de la télé, celle de la console, celle de la box, celle pour changer de chaîne. Qui sont en train de traîner chez toi dans ton putain de salon. Et t'es là, alors laquelle j'allume, je sais plus laquelle. Télécommande, laquelle, tu vois. Ça, c'est du désespoir. C'est du désespoir. Je vais pas acheter une nouvelle télécommande, frérot. Parce que j'en ai déjà 5 chez moi, frérot. Primitif, c'est primitif, ça. Bon, là, on se rapproche énormément des designs Apple. Flat, design, tout ça, tu vois. Ce serait intéressant hein, d'avoir une boîte avec tout. Donc si la console coûte 500 euros, le cas 60. La télécommande, je dirais 60 aussi. 49. Le charging port, 50. Plus la manette, 70. La webcam, je dirais 100. On est à 829. Là, ça chiffre. Hein. Ça chiffre. J'attends qu'une marque me sponsorise, qu'on vous vende un PC à la hauteur de ce que vous avez besoin, en fait. J'ai travaillé 5 ans dans l'informatique, on me la fout pas en l'envers. Le jour où il y aura... T'as pas ça? Le jour où j'aurai un NDLC, le jour où un de ces caclards de matériel.net voudront me sponsoriser, là on fera une tour. Et c'est prêt là la tour budget Leclerc Industries. Ça, voilà, ça c'est mon take. C'est mon take sur les consoles et les PC, voilà. Je vous aime tous, ok? Je vous aime tous. J'aime le crossplay, j'adore la fonctionnalité, j'adore le fait que les consoles se rapprochent de plus en plus au PC. J'adore! En tout cas, je suis content de voir la PS5, je suis content les gars. Je suis un petit moment content de me dire que quand je vais l'acheter, je vais avoir ce truc là chez moi. Sachez que je vous respecte, vous jouez sur console. Faites avec vos moyens, il n'y a aucun problème, ok? Donc laissez des pouces bleus sur cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Pouces bleus.